soir, nous sommes à 2 jours de la nouvelle année et le jour du réveillon s'annonce gris et froid pour une bonne partie de la France. Regardons tout d'abord le temps pour demain. Le matin, une grande partie du nord de la France sera envahie par des nuages et des pluies sur un petit quart nord-est. Dans le sud, vous serez gâté par les éclaircies avec quelques cumulus sur un grand quart sud-ouest du pays. L'après-midi, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun changement, mais vous le sentirez dans les températures dont je viens tout de suite. Les températures le matin, on relève 8 degrés à Lille et Rouen, 6 degrés à Tours. Le plus chaud sera bien entendu dans le sud où on relève 13 degrés à Perpignan, 15 degrés à Bastia et Ajaccio. L'après-midi, les températures vont baisser dans certains endroits. On relève 7 degrés à Paris, 4 degrés à Strasbourg, 5 degrés à Metz et à Reims, 4 degrés pour Lyon et Clermont-Ferrand pour les jours à venir. Lundi, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, les nuages vont dominer dans une grande moitié nord, à part quelques éclaircies dans le nord-ouest. Ce sera la petite moitié sud du pays qui va en profiter avec des cumulus dans un petit quart sud-ouest du pays. Mardi, vous commencerez l'année 2019, comme pour lundi, avec cette fois-ci des nuages en Bretagne. Mercredi, les nuages vont gagner du terrain, sauf dans le petit quart sud-ouest et le grand quart sud-est, où vous pourrez profiter du beau temps. Jeudi, du brouillard dans tout le pays et des éclaircies dans un grand quart sud-est. Demain, on sera dimanche 30 décembre. N'oubliez pas de fêter les familles. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Darty, le contrat de confiance.